CLB, je te propose un défi. Tu vas devoir trouver du diamant sur une map Minecraft générée aléatoirement en moins de 15 minutes. Bonjour les Minecraftiens, ici CLB35 pour un nouveau défi Minecraft. Aujourd'hui, un nouveau défi pour ce samedi qui nous a été proposé by l'image de gâteau par Netherman qui fait partie de la team partenaire à la Minecraft Cat Team, à savoir la team Demon. Donc un défi assez particulier vu qu'il ne se déroulera pas sur cette map. Pour autant, c'est bel et bien un défi solo comme le précédent. Le prochain sera sans doute en multijoueur. D'ailleurs, il vient de m'inviter sur un serveur Feed the Beast, donc peut-être qu'il se déroulera pareil dentaire dessus. Aujourd'hui, trouver du diamant sur une map normale en moins de 15 minutes, ce qui ne veut pas dire le miner et le récupérer, juste le trouver. Sur une map générée de façon complètement aléatoire, c'est un défi certes pas simple, mais que je vais relever, on va voir si je gagne ou pas. Donc sur ce, que le défi commence. On va générer le monde sur lequel on va faire ce défi, World Tip Default, pas de seed. On va faire ça en hard, hein, évidemment. Pas hardcore, mais hard. Voilà. Donc c'est parti pour un facsimilé en quelque sorte du Diamond Défi. Wow, ce serait le lag. Je remercie d'ailleurs un ancien membre de la team, je pense que je peux citer son pseudo maintenant, Auréorel, qui m'a passé un logiciel qui s'appelle... que je vérifie. Oh ben non, j'ai pas le temps. Advanced System Care, voilà, qui permet d'augmenter les capacités du PC, c'est vraiment miraculeux, moi qui ai une config franchement, pas une config entrée de gamme niveau carte graphique, processeur, même pas 100 €, je sais pas, enfin un PC pas cher, un truc pas terrible pour le gaming, j'ai pas choisi, ça fait tourner Minecraft, donc c'est déjà bien, et puis avec ce logiciel, ça le fait tourner a priori sans lag, là c'est parce qu'on vient de générer le monde, il génère les chunks. Hop, je suis trop habitué à Ultra Hardcore à faire gaffe aux dégâts de chute. On se dépêche, hein. On n'a pas beaucoup de temps. Hop. Oups, n'importe quoi. Si je perds du temps sur les crafts, ça risque de pas bien se passer. À miner, j'utilise une technique de minage. Je choisis celle que je veux, mais bon, là j'ai décidé d'utiliser une technique que j'appelle la technique du fourrage. Tout simplement, c'est un peu comme miner sous ses pieds, sauf que c'est 4 fois moins, c'est 100% moins dangereux vu qu'on creuse sur 2 de largeur, donc c'est aussi 2 fois plus long, mais au moins c'est pas suicidaire. Comme ça, on reste au bord du bloc et ça ne pose aucun problème. Allez, allez, on creuse. Alors, on creuse. Alors, on creuse. Je suis en quelle difficulté. Vous avez le droit de me tuer. Ou pas. Je viens de la changer, donc vous n'avez plus le droit de me tuer maintenant. Mais sur les 4 premières secondes, vous aviez le droit de me tuer encore. J'ai absolument pas pris assez de ressources, je suis bête. Faudra que je remonte. Je suis intelligent. À peu de choses près, ça passe. Je casse encore un arbre. C'est important de casser des arbres, hein, parce que... Je pense que pour un prochain défi, pas le défi multijoueur qui va y avoir la semaine prochaine, oui, parce que une fois sur trois, je rappelle, c'est un défi... Ah, scrogneux. Désolé pour la vulgarité, évidemment. Même à voix basse, forcément vous comprenez que c'est... Mais... Ce qu'on dit mieux, c'est pas sympa. J'ai failli mourir. Si le trou avait été un peu plus profond, je serais mort. J'ai perdu 3 cœurs là, bizarrement. Je me serais attendu à plus. Bon. On coupe des arbres. On coupe des arbres.
Ça va être important parce qu'il va falloir miner Opti comme un malade mental une fois qu'on sera à couche 11. Bon, je sais pas du tout à combien de temps on en est, je pense qu'on en est à autour de 3 minutes. J'ai un peu perdu de temps. La barre de faim, on va faire cuire ça un peu plus tard. J'ai pas le temps, là faut que je retourne à la couche 11. Je n'y suis pas encore, hein, je peux vous dire, là, vous voyez, Y, hein, c'est la couche à laquelle je suis, mais bon, ça, vous le saviez. Je ne vois rien, je suis obligé de me lever sur ma chaise, heureusement, ma nouvelle chaise fait un bruit un peu moins infect que la précédente. Couche 38, mais bon, ça, vous l'aviez deviné aussi. J'entends des mobs, c'est génial. Couche 11. Hein. On me dit toujours couche 12, mais personnellement, je trouve toujours beaucoup plus de diamants à couche 11. Je pense que c'est de superstition, mais bon, quand même. Ok, crevasse. What? On va manger un petit peu, là, parce que ça devient un petit peu urgent. Ça devient galère. Donc, on va se faire cuire. Bon, on va faire se cuire. Bon, en même temps, si, mais bon, ça se dit pas trop. On ramasse pas le fer, on s'en fiche du fer, hein, vu qu'on doit seulement trouver les diamants et pas les miner. Donc, reporkchop. Allez, dépêche-toi de cuire, dépêche-toi. Je le répéterai pas deux fois. Il y a beaucoup de fer ici, c'est dommage. Squelette, je suis mal là. Je vous dis tout de suite, je suis mal. J'ai le droit de mourir, mais bon, hein. Voilà quoi. Vous me comprenez, non? Non? Bon, bah c'est comme vous voulez. Bon, bah je suis un petit peu coincé là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais miner encore. Hein. Je vais descendre en bas de la crevasse quand tout ça aura cuit. Et du combustible. Ouf, les bûches ne sont pas tombées plus loin que ça. Par contre, je peux pas aller ici sans me faire massacrer par ce fucking squeletton. Bon, là, faut que je me régène. Ça passe, ça passe. Je prends des risques. Je prise de risque, yolo. Voilà. De toute façon, je continuerai jusqu'à ce que je trouve du diamant le tournage. Je n'ai pas de timer. Dans le pire des cas, la vidéo se fige. Je me décale un peu par là. Pour éviter la crevasse. Je préfère ne pas miner en caverne, même si parfois c'est plus fructueux, mais c'est aussi beaucoup plus dangereux. Pour le moment, je peux toujours pas trouver de diamant. C'est un peu plus long à miner, le fer. Mais ça encombre le stuff. On oublie le fer, on n'en a pas besoin. 12. 11. Optimisation de minage, minage optimisé. Je me tais. Bon. Alors, hop. De pioche. What? Et si les craft lag, je crois que ça m'arrange. J'ai bien fait de prendre ce bois, petit réflexe que j'ai eu, pour éviter la pénurie de charbon. Tout simplement. Hop, je laisse cuire ça et puis j'avance. Il y a du fer ici qui me tend la main, mais non. Donc pas de gravier, hein. Le gravier c'est juste nope. Je refuse complètement la présence de gravier. Bon, je vais être obligé de torcher par contre du coup. J'ai plus de bois. C'est sérieux. J'ai plus du tout de bois. Je peux pas me faire de torche. Bon bah j'ai pas le choix, hein. Yellow swag. Bon bah je vais partir comme ça. Par contre du coup la table de craft. Oh non, même pas la peine.
J'ai largement assez de pioches pour... où est-ce que je suis paumé. Bon, là, un mob risque d'apparaître dans mon dos et de me tuer, mais bon, c'est pas grave. Le pire, ce serait que je passe à côté de Diams ou que je le mine à la pioche en pierre. Oh, pas de gravier, pas de gravier. Charbon, je m'en fiche. J'aurais bien aimé si me restait du bois, mais j'ai mal dosé le coup. Attends. Je me fous de ma gueule moi-même. Je fais n'importe quoi. C'est le stress, c'est... Là. Voilà. J'avais oublié que j'avais mis tout mon bois à cuire. Like a boss. Où est-ce que je suis? Ah oui, c'est vrai. Bon, bah on continue avec des torches toutes fraîches. Ça se dit pas vraiment, mais bon. On va miner un petit peu de charbon quand même, histoire d'avoir le stock. Le stock, ça veut dire 5 pour moi. Hein. Vu que j'ai 5 sticks. Et que maintenant, voilà, j'ai 31. Il me reste des planches que je n'utiliserai pas tout de suite. Coup de chance! Coup de chance immense! J'ai trouvé... Je vous jure que j'ai absolument rien fait. J'ai trouvé du diamant. J'ai trouvé du diamant. Défi... Défi... Réussi! Voilà, c'était un gros coup de bol à ce défi Minecraft. Donc ma tactique c'était de descendre en forage, comme je vous l'ai dit, et de miner de façon optimisée. À partir de là, si je me débrouillais bien, ça tenait encore un peu du hasard. J'ai eu énormément de chance, je n'ai utilisé que 2/3 de mon temps imparti. C'est-à-dire que je trouvais que 1/4 d'heure c'était absolument pas possible. Je suis super content de ce que j'ai fait, bien que ça tient pas mal de la chance aussi. Mais bref, voilà, j'ai réussi ce défi, c'était un petit peu inespéré. Je vous remercie de l'avoir visionné, le tapis. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, likez, partagez, j'en passe, le train sera habituel. Et sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB.